Les Français connaissent leurs adversaires pour les demi-finales de l'Euro 2024 ce vendredi. Un an après les championnats du monde, les Bleus seront de nouveau opposés, dans le dernier carré, à la Suède, qu'il avait battu 31 à 26 le 27 janvier 2023. Dans l'autre demi-finale, le Danemark, champion du monde en titre, pourrait être opposé à l'Allemagne, le pays hôte. L'Allemagne, pays hôte, en matant la Hongrie 35 à 28 lundi à Cologne, a gardé son destin en main à l'euro et offert à la France, victorieuse de l'Autriche 33 à 28, la première place du groupe I. Les champions olympiques français affronteront vendredi en demi les tenants du titre suédois, deuxième du groupe 2. Les champions du monde danois, premiers de cette poule, doivent encore attendre pour connaître l'identité de leur adversaire. Mais la nationalmannschaft, désormais deuxième avec 5 points, peut encore rêver d'atteindre le dernier carré. Il lui suffit de s'imposer mercredi 20h30 face à la Croatie. Déjà éliminé, pour se qualifier. Son totem Andreas Wolf dans les cages, après une première période catastrophique 0 arrêt sur 9 tirs subis, a retrouvé son mordant au retour des vestiaires 9 arrêts. 45%. Et parmi sa classe biberon, l'arrière gauche Julian Custer, 23 ans, a inscrit 8 buts, chauffant à blanc les quelques 20 000 spectateurs de la Cologne Arena rêvant d'un nouveau sacre européen. Le dernier titre continental de l'Allemagne remonte à 2016, quand la sélection, sans référence, est privée de ses stars Jugensheimer, Patrick Groetsky et Patrick Wienseck. Blessé, était allé jusqu'au bout, faisant mentir les pronostics.